Bonjour mes chers téléspectateurs et téléspectateurs. Ok, aujourd'hui nous démarrons par l'hymne national. Écoutez très bien. Tu fais quoi comme ça? C'est pas possible. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Le MRC prend feu au nom de Jésus avec son leader. Et Allah. Angoisse pasteur, ton nouveau dossier aujourd'hui c'est quoi? Si tu ne lis pas les bamileke et tu les attaches et tu les envoies aux abîmes, vous n'allez pas respirer ici au Cameroun. Godness. Hey, ça c'est pas le pasteur qui a insulté un parti politique là. C'est la guerre qui les Camto et les Amériques. Ils viendront bombarder. J'ai moi dit. Vraiment c'est malheureux. C'est de la sauvagerie. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on ne ferme pas cette église. Mon frère, je me pose la même question. Les cibles américaines doivent être vraiment attachées. Quoi? Les cibles américaines doivent être vraiment attachées. Quoi? Et les anglophones. Et les anglophones. Quoi? Et les anglophones. Et les anglophones. What? Anglais. No comment outside. Coronavirus kill all people. Un pasteur qui dit qu'il faut détruire une ethnie et son église reste toujours ouverte. Yeah. Vraiment, je suis étonné. Ni vous, la sorcellerie n'a pas la honte. Les Américains ne peuvent pas prendre le pouvoir dans ce pays. Quoi? Les Américains ne peuvent pas prendre le pouvoir dans ce pays. La maman. Est mal éduquée. Quelle déception, quelle déception du jour. Ce sont ces fidèles alors qui me tuent seulement. Jamais. Cette église doit être fermée le plus tôt possible. C'est vrai. Écoutons encore un peu ce passage avec ses fidèles. Et si tu es Bamileke, convertis-toi en vrai. Pour lui peut-être recevoir un embout comme toi. Et oui. Et c'est pas toi de l'esprit Bamileke là. Tu es comme un cafard. Et l'angle vert ou jaune. Je vous assure, je vous dis la pure vérité. Et l'angle. Un bâtard comme toi. Cette église doit être fermé. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est pas un pasteur, mais c'est un pasteur. Mon frère, tu as vraiment raison. C'est vraiment un pasteur. Dis-nous une fois. Cher pasteur, non et non au tribalisme. Et non, nos frères. Pourquoi? Non, on n'intervient pas encore. Continue, pasteur. Quoi la stratégie des Bamileke? Dis. Premièrement, l'ironie. Hey! Deuxièmement, la politique à haut débit. La ruse. La ruse. Tu vois un Bamileke, quand il veut t'avoir, si tu veux même, il t'appelle pas. Papa, ma. Papa. Il marche même, il roule au sol. Il va te mettre le tapis roulant. Hey, hey. Et ça, humiliation. Un illettré Mokoba. Bon, ça va. On a compris, non? Mais ça, que se passe même quoi dans la tête? Le de la banane. Quoi? Le de la banane. Papa, continue. Ah, tu es qui? Tu as qui parle là? Tu es qui? Moi. Oui, ton nom c'est qui? Je vous regarde seulement. Donc depuis là, tu ne comprends pas. C'est bien. Tu as parlé de qui? Tu as dit que les Bamileke ne doivent pas prendre le pouvoir. Non? Tu es donc qui? Moi-même, je suis avec toi qui ne doivent pas prendre le pouvoir. Paul. Ferme-moi. Papa, je dois partir de ce pays, même si c'est au Bénin. Non, c'est dessoignant, je suis déçu. Regardez un peu cette scène, hein, et je vous reviens. Donc, il y a deux noms, deux que tu dois lier, que celui-là doit te demander de lier. Deux. L'esprit Bamileke et l'esprit anglophone. Hein, toi, c'est qui? Arrête un peu de m'appeler. Qui es-tu? L'esprit Bamileke. Ah! Femme! Non! Ah, tu t'es là-bas! Ah, gloire à Dieu. Pasteur, gloire à qui? Gloire à Dieu. Eh, Seigneur, donc tu as enlevé le Cameroun dans ta liste. Eh, Seigneur, tu vois même où va notre cher et beau pays. Vous aimez voir avec les yeux. Mais vraiment. Cet esprit-là doit être lié, la tête coupée. Quoi? Cet esprit-là doit être lié, la tête coupée. Ah! C'est quoi? C'est pas un homme de Dieu, c'est un gousseur. Vraiment, on est ça nous met notre cœur mal au cœur. Aïe! C'est quoi? C'est un très mauvais esprit. Jésus! Écoutez très bien. Je dis que si tu es Bamileke, tu es vrai chrétien là, ce démon doit quitter ta vie. Godness! C'est diabolique! Je voudrais qu'ils ne prennent pas ça au sérieux. Ces gens ne savent pas ce qu'ils font.
Ça là, c'est jalousie. Ce sont alors les fidèles qui me fatiguent seulement dans tout ça. Séparez-vous de l'esprit Bamleke là. Ah, Mako Kakiko. Makoso, confirme seulement comme l'esprit de Bamleke est en train de sortir, papa. C'est un mauvais esprit, l'esprit Bamleke là. Hein, tu as. Chégué. Tu as vu le général. Laisse-toi les histoires de mensonges là. Il y a maintenant l'esprit anglophone. Ok, pourquoi on a aussi chassé ça? L'esprit anglophone comprend à gauche. Ok. Quoi? N'importe quoi. Vraiment, on doit bastonner ce pasteur en public. Ce n'est pas une injure, c'est la vérité. Hein. Mouf, dégage, ça va devant moi. Continue avec tes conneries. Parce que c'est un esprit complexe. Comment, oui. Ils sont complexés. Mieux tu continues en langue. Hein. Donc, c'est un mauvais esprit. Ouais, depuis que tu parles du mauvais esprit là, tu parles vraiment de quel mauvais esprit, pasteur? Les Bamileke et les anglophones t'ont fait quoi? Point d'interrogation. On met le feu sur l'esprit anglophone ici au Cameroun. Au nom de Jésus. L'histoire que tu engages là, ça va te dépasser. L'esprit d'incompréhension, c'est l'esprit d'incompréhension. Vraiment de Dieu, il y a des choses compliquées dans ce pays. Ils comprennent pas comme il faut, ils comprennent à l'envers. Azambawam, tes gros noyaux. Sale rat. Un bâtard comme toi. Au nom puissant de Jésus, esprit anglophone, je te coupe la tête. Jésus. Les Camerounais, que Dieu vous garde. Je te dis que... Mon frère, au nom puissant de qui? Au nom puissant de Jésus Nazareth. Ah bon, hein? Il est temps que je quitte le pays. Pasteur, l'histoire que tu engages là, j'espère que tu vas supporter. Franchement, je ne sais pas pourquoi est-ce que cette église est toujours ouverte. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on ne ferme pas cette église. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.